Eh bien, salut tout le monde, ici Azarat, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de 7 Day. Là je suis sorti de la maison tranquillement par le toit, je me suis bien cassé la gueule, j'ai bien plus de vie. En plus j'ai bu de l'eau de la rivière, enfin ils appellent ça l'eau de la rivière alors que je l'ai prise dans les chiottes. Du coup c'est de l'eau bien dégueulasse. Et... ah tiens ça, tiens, attends. Ah, bordage. Donc je disais, c'est de l'eau bien dégueulasse, du coup j'ai bien perdu de la vie. Et en plus, ça fatigue, donc voilà, je me suis bien planté, encore une fois. Hein. Donc on va essayer de continuer de fouiller dans les maisons. D'accord, en fait, les zombies, c'est pas en ville qu'ils sont plus concentrés, c'est en bordure de ville, apparemment. C'est une bonne nouvelle, ça. J'apprends quelque chose, j'apprends de plus en plus de choses hein, dans cette nouvelle version. Donc bien sûr, là, je les tourne à la suite, donc je n'ai pas encore vu vos commentaires sur l'épisode précédent. Je sais pas. Pas exactement combien je vais en tourner l'épisode comme ça, mais je vais en tourner pas mal. Ah nickel, encore du painkiller. Donc là je suis allé tout simplement à la recherche de vivres. Ok, hop, c'est parfait, nickel. Il faudrait que je trouve un moyen de purifier l'eau. Je sais pas du tout comment on fait pour purifier de la flotte. Mais en tout cas, il faut que je le fasse. Hein. Je peux pas me permettre de boire l'eau des chiottes. Ouais, non. Je peux pas le prendre, ça va m'encombrer. Je peux pas me permettre de boire l'eau des chiottes pendant toute une saison. Ça serait quand même... dégueulasse. Bon, j'ai déjà un plumard. Je sais pas trop si ça fait le même effet que la dernière fois, les plumards. On verra bien. Ok, je vais visiter un peu le grenier, en espérant qu'il n'y ait pas d'intrus. Hop, nickel. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir des zombies dans les greniers, et c'est une très mauvaise surprise. Hein. Tu montes tranquillement ton échelle, et à coup, toi, t'en... en train de gueuler, là. Ah, nickel. La bonio. Oh, oui. Oh. Ah, là, il y a un trou, là. Putain, c'est fourbe. Là, il y a un chien qui peut passer. Il faut faire vachement gaffe, en fait, quand t'es ici. Ok. Donc là, je vais sortir. Ok, ok. Attends, j'ai été repéré. Je vais sortir vite fait. Oh my god. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chien. Je vais sortir par là. Vers le sud. Ouais, c'est bien. Vers le sud. Là, je vais commencer à me faire... déjà, me couper du bois. Parce que je vais avoir besoin de bois. Est-ce que j'ai fouillé, ça? Ouais, apparemment, j'ai déjà fouillé tout ça. Okay. Ah oui, bah oui, je viens du sud. Je viens du sud! C'est par là d'où je suis venu, je crois. Début d'épisode précédent. Ah, lapin! Donc... alors là, j'ai rien pour me revitaliser la fatigue. Parce que si je bois de l'eau des chiottes, ça va me fatiguer encore plus. Donc, ah, tiens. Rien. Je vais couper du bois. Coupe du bois. Je vais prendre un painkiller aussi parce que ma vie, elle fait la gueule. Voilà. Bien les alentours parce qu'ils sont pas obligatoirement spotés sur la carte, les zombies. Faut faire attention. Allez, c'est parti. Oh, téléportation de bûche. Putain, magnifique. On va couper un peu de ce truc là. Ok, pourquoi pas. Oh. Allez, ramasse! Non, il veut pas. Apparemment, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je peux balancer? C'est quoi ça? Bon, pas les couilles, allez. Je peux pas le jeter? Si. Merci! Oh la vache! J'ai du mal, hein. On va couper ça.
Il est gros celui-là. Ouh là là. Trunk. Nickel. Ouh, il y a un spider, je vais pas le faire chier. Est-ce que je creuse ici? Est-ce que je commence ma petite galerie ici? J'ai des pelles. Bon, allez, c'est parti. J'ai des pelles, c'est parti. Hop. C'est perturbant quand même le nouveau système de blocs là. C'est des losanges en fait, c'est... C'est très bizarre en fait. Donc j'ai déjà un petit trou là. Ah ouais, ça fait vraiment tunnel quoi. Bon attends, là c'est de la pierre par contre. Il faut que je trouve un moyen de faire une pioche. Je peux pas faire de pickaxe. Non, il me faut un autre type de métal, je suis sûr. Mais quoi, c'est ça le truc. Oh là là. Alors, normalement je pourrais le faire ici, je pense. Alors attends. Breakdown weapon, non c'est pas ça. Scrap lead, c'est quoi ça? Scrap iron, ok. Donc il me faudrait... Non c'est pas ça. Trunk type. Ah non, trunk c'est bûche je crois. Non mais comment on fait du coup pour... Est-ce que ce serait pas les metal strips? Des fois. Je vais essayer voir. Est-ce que ce serait pas les metal strips? Non, c'est pas les metal strips. Oh, apparemment, je peux pas faire d'outils. C'est pas le bon métal ou je sais pas. Sharpen stick. Ouais, non, ça me bat les couilles. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais faire le metal strip déjà, c'est quoi? Il est où mon truc à metal strip? Ah bah c'est jamais automatiquement, espèce d'abruti. Avec le café je peux faire quoi? Rien. Je peux pas faire d'armes, je peux pas faire d'outils quoi, je vais faire juste une pioche. C'était super facile de faire une pioche avant, mais là... Pff, là je t'avouerai que j'ai aucune idée de comment on fait une pioche. Il est pas dans le craft en plus. Il me faudrait... Scrap metal d'or, wooden club, spiked club... Ça se trouve c'est ça. Non, je vais faire une grosse connerie je crois. Non c'est pas ça. Ou alors il me faut un autre type de métal, scrap brass. Ok, non, ça c'est pour recycler apparemment. Ouais, c'est pour recycler. Scrap iron. Place iron item on the crafting grid to get scrap iron, d'accord. Par exemple, si je fais ça, ça me donne du scrap iron. Ça, non, ça me donne pas. Scrap lead, ça c'est pour réparer les armes. Et ça c'est pour... Ok, ça c'est pour séparer les armes pour... Non, je sais pas, j'ai aucune idée en fait. Donc, ça me fait chier quand même, je peux pas faire de pioche, je comprends pas. Attends. Ah merde, hop. Est-ce que ça m'ouvre pas d'autres crafts? Si, ça m'ouvre d'autres crafts. Donc ça c'est pour faire les escaliers, les piliers, plywood, ok. Je vais faire un peu de plywood. Peut-être que... Hop. Est-ce que ça m'ouvre? Oh, ok, ça m'ouvre encore d'autres crafts. Wood pillar, wood fence, trunk 1, storage chest, stair quarter. Faut peut-être un atelier ou je sais pas quoi, wooden shingle. Scrap metal wall. Ah voilà, je peux faire les pièces d'armes, ok. Wood power pole. Power pole, ça doit être ça, hein. Ouais, c'est ça, ok. Donc ça doit être. Ouais, une espèce de barrière ou je sais pas quoi. Merde, du coup, hop. Boarded Windows Packet Club.
je vois pas du tout. Il est déjà 19h. T'es sérieux? Ça craint. Oh, ben John. Non, ça craint sérieusement. Woodspike. Ça pue du cul cette histoire. Comment je vais faire pour... Ça craint le pâté là, ça craint le pâté. Hein. Franchement là, j'ai fait une bourde. Oh! That glitch! Merde! Je suis coincé. Je suis coincé dans les abîmes du jeu là. Oh mon dieu! Mais que se passe-t-il? Merde! Quoi? Voilà, c'est bon. Alors, torche. Ok. Non, je suis encore coincé. Merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Attends. Voilà. Donc, apparemment, je suis Keblo. Ah, faudrait que je pète. Ouais, mais ça, c'est de la pierre, ça. Bon, je suis désolé, je suis un gros noob. Vous l'aurez compris. Comment tu veux que je pète la pierre, là? Comment que je pète ça? Ah, nickel. Voilà. Ok, donc là... J'ai mis des pics. J'ai mis des pics. Là, on voit de l'herbe, donc ça pue du cul. Ça veut dire que je suis tout près de la surface. Et que ça se trouve, ils vont me tomber par au-dessus. Donc, je vais sans doute crever comme une merde. On va garder la bouffe. Bon, les clés, je vais pas m'en servir. Ça sert juste à réparer les blocs. C'est pas très très important non plus. Voilà. Surtout la hache qu'il faut que je garde. Voilà. Ça, c'est l'eau de la rivière. Elle est un peu moisie, donc... on va rester comme ça. 22h. 22h, 22h. Et j'ai oublié de démarrer le timer de la vidéo. Super! Je sais pas du tout combien de temps j'ai tourné. C'est pas grave. On va encore tourner pour un petit quart d'heure. Je pense que ce sera suffisant. C'est la merde, les gens. C'est la merde. Je suis un gros noob. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est... Y a pas d'autre... d'autre explication. Là, franchement... C'est la merde intersidérale, là. Bon, ils m'ont pas senti, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas entendu. C'est déjà bon signe. Il va être 23h. Toujours aucun signe de zombie. Donc ça veut dire qu'il y a toujours pas de vague qui s'est ramenée. Parce que je sais que c'est un système de vagues. Enfin, les versions précédentes, en tout cas, c'était un système de vagues. Là, pour l'instant,
Cup Week. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. Donc ensuite, alors je vais faire le petit planning de la journée de demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'outils surtout, il me faut une pioche en fait. C'est tout ce qui me manque, une pioche là. Parce que là j'aurais continué à creuser et tout, j'aurais fait une porte en métal et tout, tac tac, t'as vu? Wesh la famille, et puis là, les zombies, m'enculululu quoi. Pour rentrer, vas-y. Tape avec ta tête sur la porte en métal, comme un godio là, et puis voilà. Démerde-toi. Mais franchement, c'est la merde. Ah, tout ce que je peux faire, c'est me planquer comme une merde. Hein. La technique de Minecraft, hein, t'as pas d'abri, bah tu t'enterres. Sauf que là, c'est pas Minecraft, parce que là, les monstres, ils peuvent péter les blocs. Ça a rien à voir. Donc, la technique de l'enterrement, ça marche pas toujours. Faut vraiment se faire discret, quoi. Donc là, apparemment, je ne suis pas détecté. Je vais rester comme ça je le saurai si je suis détecté ou pas. Pour l'instant, là, tout va bien. On les entend dehors, on les entend. Niveau haut, j'ai ce qu'il faut, il m'en reste un. Ça étanche la soif, mais ça empoisonne un peu. Et ça fatigue, mais... Tiens, c'est étonnant, ma fatigue, elle se régénère pas. Ah, je suis en train de me demander... Regardez la fatigue et la soif. Ils sont à peu près au même niveau. Et je suis en train de me demander si plus t'as soif, plus ça baisse ton niveau max d'endurance. Est-ce que c'est pas synchronisé en fait Genre si t'as vachement soif, eh ben, t'es tout le temps fatigué. Je me demande si... S'ils ont pas fait ça depuis aussi. Ouais, ouais. À mon avis. J'ai vu que j'avais un bonnet aussi, tiens, je vais le mettre. Je vais avoir une belle tête de con. Par contre, voilà. Aid. Hop. Voilà. Alors, ça améliore. Alors, apparemment, ça améliore mes dégâts. Je crois que c'est les dégâts à l'arme. Dégâts au poing. Arme corps à corps. Ça, c'est pour les outils. Je crois que ça doit être l'efficacité des outils ou je sais pas quoi. Et ça, c'est explosif. Bon, je crois que c'est ça, hein. C'est... Level 0, apparemment il y a de l'expérience. Total score 5. Vie perdue 1. Ah oui, contre le clébard l'épisode d'avant. Survivant tué 0. Zombie tué 5. D'accord. Ah, ils ont bien foutu leur truc quand même. Il y a les stats et tout, attention. Classement. Ça va être Glisport après. Top FR, tout le bordel. PGM, ma gueule, tu vois. Oh, il y a une abeille. Bon, je m'en fous, ils peuvent pas passer. Donc là c'est cool, c'est bien foutu parce que les autres, dans les versions précédentes, n'importe où t'étais, même si t'es planqué au centre de la Terre, les zombies la nuit ils savaient où t'étais. Là c'est pas pareil. Faut d'abord qu'ils te repèrent. Et là les zombies ils savent pas où je suis. Ça se trouve il y en a un juste derrière la planche. Là. Enfin j'ai mis deux couches. Oh merde. Non ça va. Là j'ai mis deux couches de bois. Donc, faut déjà qu'ils tapent bien avec leurs dents là, contre le bois. Oh, il y a un bois qui a pété là. J'ai bien entendu, il y a un bois qui a pété. Non, c'est pas mon bois. Putain, j'entends du bois qui pète. Ah, j'ai entendu trois fois du bois pété. Et normalement, ça voudra dire que j'ai un bloc de bois qui est... Ah, c'est peut-être les pics. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai toujours pas vu de zombies tués par les pics. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment devant. Ils sont peut-être au-dessus, ou je sais pas. En tout cas, je suis toujours non repéré. Ce qui est une bonne nouvelle, hein. Donc là, je vais faire, ouais, comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent, là, je tourne tous les mêmes soirées, là, je suis chaud pour en faire quelques-uns sur 7 Day. Je vais peut-être aussi faire une vidéo sur un autre jeu. Je suis en train de réfléchir, je sais pas trop à quoi. Je sais pas trop à quoi. Bon, la nuit, c'est chiant, hein. Je me mets à votre place, là, vous voyez un écran qui bouge pas, là, un vieux mec avec son bocal d'eau de chiottes dans les mains, là, derrière sa planche... en forme de rubis de Zelda, là. Et qui attend comme un connard avec sa torche, on dirait qu'il fait une prière, le mec.
Mais bon. Là, j'ai pas trop le choix. Ouais, donc je sais pas trop à quel jeu je vais jouer après. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'aime pas trop rester tout le temps sur le même jeu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y a des gens qui font ça, je comprends pas comment ils font, quoi. Les mecs qui sont sur Minecraft et qui font que du Minecraft pendant des années. Sans mode. Faut le préciser, il y en a qui jouent sans mode comme ça. Putain, mais je sais pas comment ils font, hein, c'est hallucinant. Donc, moi, je change souvent de jeu. Hein. En ce moment, c'est quoi? C'est du Arma. Star Trek Online aussi, j'aime bien. Quoi d'autre? Ouais, Farsos. Alors, 7 Day, Arma. Un peu de Garry's Mod. Bon, les trucs classiques que tout le monde joue à peu près. Hein. Faudrait que je me remette peut-être à PlanetSide. Mais bon, PlanetSide, c'est même pas la peine de démarrer Fraps là-dessus. C'est mort. Enfin, j'ai jamais essayé, mais bon, à mon avis, mon PC il va fumer quoi. Donc voilà. Enfin, bref, il est 3h33, 34, 35. Ça passe, ça passe. Je crois que je vais vous faire une petite ellipse hein, parce que ça va plus édifiant sinon. Parce que là, il se passe rien, ils m'ont même pas repéré. Bon, allez, on se retrouve quand il fait jour. Ellipse. Re les amis, on est. Il est 7h20. On va pas tarder à y aller. On entend les zombies qui grognent, les oiseaux qui chantent, c'est signe qu'il fait jour. Donc, on va y aller tranquillement. Je suis curieux de savoir comment on brûle les matériaux, parce qu'apparemment ils ont un temps de brûlage, on va dire. Donc, je me demande si en tapant dessus avec la torche, si on peut bien sûr, est-ce que ça fait. On peut taper avec la torche apparemment. Est-ce que ça fait des dégâts la torche? Quantity damage, burn time, ok. C'est pas plus que ça en fait. Donc, au début, il faut un objet spécial pour brûler, genre lance-flamme, des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y a un lance-flamme. Dans... Il y a un petit bug de lumière, hein, c'est spécial quand même. Donc, on va partir tranquillement, on va péter les planches de bois comme il faut pour sortir d'ici. Ok. Non, ouais. Quand tu veux, mon coco. Hein. Je crois que ce sera plus rapide d'y aller à la pelle. Sur le côté. Exactement. Le souci, c'est que là, j'ai soif. Du coup, je suis fatigué. Et ça craint. Alors, il y a pas... Ah, ils sont pris un peu les pics, quand même. Pour l'instant, apparemment, je ne suis pas repéré. C'est une bonne nouvelle. Allez. Voilà. On est bientôt sorti. Là, il va être 9h. C'est cool. Ah, 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 ah. Il y a un zombie pas loin. Ça devrait le faire. Ah, il me faut de l'eau, il me faut absolument de l'eau. Use connard. Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Il me faut absolument de l'eau. Ah oui, d'accord, c'est des zombies rampants. Ok, ok. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, allez. On retourne en ville, il me faut de l'eau. Sinon là, ça va pas le faire du tout. Bon, bien sûr, ici, ça va être blindé, comme d'habitude. Je peux même pas courir quoi. Et des clébards et tout, ça craint. Ah, je peux même pas courir. Ah, ta gueule toi, putain, je t'aime pas. Oh là, je les déteste ces trucs. On va essayer de choper une baraque au centre. Pour trouver de l'eau. Il me faut de l'eau pure. En abondance. Il y a encore des balles et puis une plaque de je sais pas quoi, de merde là. Là, y'a rien. On va essayer celle-là. J'ai déjà fait celle-là. J'ai un doute. J'ai un doute. Apparemment, non. Non, je l'ai pas fait. Parce qu'il y a plus de porte, alors... Pour ça, je me demandais. Moi, c'est de l'eau que je veux, s'il vous plaît. Est-ce que je peux pas remplir mes... Ma flotte à l'évier, là.
Non, je peux pas. Ah merde, je peux pas. Où est-ce que je peux avoir une source d'eau pure? C'est ça le truc. Comment je peux faire pour avoir de l'eau pure? Ça me paraît impossible, quoi. Hallucinant. Encore un couteau. J'ai plus de place. Tout dégage. Comme ça. Donc, si ça marche toujours, je vais pouvoir le faire. Réparer. Hop. Hop. Non. On peut pas, d'accord. Je sais plus comment on fait. Ah oui, c'est Repair Waypoint, d'accord. Mais ça, attends, je le ferai après parce que j'entends des... J'entends des vieux bruits de pas dégueulasses, là. J'aime pas ça. Bon, ça m'étonne qu'il y ait de l'eau. Oh, merde. Moi, j'aime pas ça. Je me casse. Ah, chiotte de merde, enculé. Enculé de ta mère. Crève, ça... Oh, merde, putain, il m'a touché. Il est devenu dur, ce jeu. Surtout au niveau de l'eau, putain. Je me souviens, les anciennes... Ah, tiens, hop. Les autres versions, mais t'avais de l'eau à en crever, quoi. Mais c'est... et là, mais tu galères comme une merde. Tiens, encore une, super. Et tu trouvais la flotte en paquet de 5. Et là, c'est la galère la plus totale, quoi. Ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu chier des bulles carrées, ça... Ouais. Là, franchement... Pour un couteau, j'en ai assez des couteaux, c'est bon, c'est bon. Alors, il y a quoi ici? Moi, je veux un frigo, s'il vous plaît. En général, dans les frigos... Ok. À chaque fois, c'est soit un œuf, soit de l'eau. Bon, j'ai pas de place pour l'œuf. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Nickel. Hop, hop, hop. Bah, je vais être forcé de prendre de l'eau de chiotte, hein. Malheureusement, d'accord, donc hop, j'ai enlevé le lit. Je vais enlever le lit. Là, il y a des chiottes. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Voilà. Je suis désolé. Ah oui, ça fait mal au bide, je m'en doute, mais bon. Voilà quoi. On a pas trop le choix là, hein. Je suis désolé. De l'huile. Ouais, bah de l'huile, je sais pas trop à quoi ça sert. Qu'est-ce que je peux faire avec l'huile? Est-ce que ça se boit, l'huile? Non, ça se boit pas. Peut-être pour crafter des... du combustible, ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, mais du coup, je vais manger un coup, parce que... Avec cette connerie, hop. Voilà. Bon, je me suis rétabli niveau hydratation. C'est déjà cool. Faut que je trouve comment on me fasse une putain de pioche là. Ça serait bien. On a beaucoup de chiens. Pour ça j'en ai pas. Encore un œuf. Un cadavre. Ah. Ah 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 ah. Merde, 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 merde. Ça me complaire. C'est compliqué. Hein. Ah, il y a un lac. Une rivière. Est-ce que ça me fait de l'eau dégueulasse aussi? Bon, étant donné que ça s'appelle l'eau de rivière, je pense que oui, ça me fera de l'eau dégueulasse. Mais c'est peut-être meilleur que l'eau des chiottes, j'en sais rien. On va essayer. On va essayer, mais bon. J'ai des doutes. Hein. Je sais pas, on peut trouver de l'eau pure à part dans les frigos, des trucs comme ça. Mais... Alors. Ah non, ça me fait de l'eau dégueulasse. Mais... Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ah oui, ça s'effondre toujours. Ça s'effondre toujours. J'étais en train de me poser la question. Et ça s'effondre quand ça veut, en fait, j'ai l'impression. Ah non, tiens. Ouais, bon, bon bah c'est tout. Fait un peu la gueule, le pont. Je sais pas trop où je me dirige, hein. Pour, là, pour être franc, c'est... Ouais!
Elle est où l'autre? Elle est là. Hop, dégage. Nickel. J'ai une hache qui marche bien. Alors là-bas, il y a un sac apparemment. Qui est vide. J'ai trop de bol. Un gros dégueulasse. Je vais essayer de le tuer pour voir ce qu'il loot. Ils sont costauds ceux-là. Oh, de l'eau bien pure sur un zombie. Hein. Chercher l'erreur, mais bon. C'est cool. Alors, il paraît que les zombies n'aiment pas trop la flotte. Est-ce que c'est profond ça? Ah non, c'est pas profond du tout. Je me serais bien construit un truc ici, mais ça n'a pas l'air profond du tout. À moins que... Ça marche pas si je fais ça. Je peux pas creuser sous l'eau. Ah si, je peux creuser sous l'eau. Est-ce que je peux me noyer? Je suis en train de me poser la question. Je pense, oui, mais... Ouais, pourquoi pas. Attends. Faut tenter le truc, hein. Wow, what the fuck. Qui ne tente rien n'a rien. Si je fais ça... à la Minecraft. Ça doit être de la pierre, par contre. Et si je mets un bois au-dessus, de moi. Est-ce que je suis toujours dans l'eau? Ah, ça me fait une poche d'air. Ouais. Ça me fait une poche d'air. Enfin, je crois. Non, je suis dans l'eau. Non, je suis pas dans l'eau. Ok. Je suis pas dans l'eau, c'est cool. Bon, on va se séparer là, les amis. Hein. Je crois que ça fait déjà pas mal de temps que je suis en train de tourner ce petit épisode. On va s'arrêter là. Je suis au fond du lac. Sous une poche d'air. Je sais pas si je suis vraiment à l'abri de quoi que ce soit. Mais ça me fait une petite base secrète de méchant de James Bond. C'est pas mal. Je vais essayer de creuser un truc ici. Malheureusement, il me faut une pioche. Donc je vais essayer de chercher le craft pour l'épisode suivant. De chercher le craft quelque part. Il y a peut-être moyen de moyenner, hein, on va dire. Un petit wiki de 7 Day, quelque chose comme ça. Parce que je suis sûr de pouvoir crafter une pioche avec tout le bordel que j'ai dans mon inventaire. Il y a moyen de faire un truc qui puisse creuser de la roche, quoi. Et là, je vois pas pickaxe, c'est ça le truc. Parce qu'avant, on mettait des bouts de bois, tac, 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 tac. Oh, le con! Oh, le con! Je viens de comprendre! Attends. Non? Comment on fait les lingots? On peut pas faire les lingots? Iron... C'était des lingots qu'il fallait. Comment on fait les lingots? Putain! Lingots. Attends. Faut les fondre? Non. Scrap métal d'or, attends. Si, putain, c'est ça, il faut des lingots! Mais avant, on prenait des scraps métal. On en foutait trois comme ça et ça faisait un lingot. Ah, putain! Oh, mais quel abruti, j'oubliais que c'était des lingots. Oh là là là. Oh, honte à moi. Vous avez le droit de me gueuler dessus dans les commentaires. Déchaînez votre rage. Mais Ah putain, les lingots. Attends. Le cabin wood giver. C'est un four qu'il me faudrait en fait. Non? Pour faire fondre le lingot, je pense. Boarded Windows, Packet Club. Hein, hein. Notre cabin wood. Hein. Wooden finger. Je sais pas ce que c'est. Fillet, storage chest. Wood fence. C'est pas ça? Fence. Non, fence, c'est une barrière. Oui, c'est une barrière. Arrête de dire de la merde. Wood pillar. Non, mais je sais. Ah, ouais, faut faire fondre le lingot. Ah oh, putain. Forge weight.
ça, c'est ça. Il faut que je fasse fondre. Il faut des lingots, c'est ça le truc. Bon bah c'est tout, je regarderai ça pour la prochaine fois, ouais, parce qu'avant c'était beaucoup plus simple de faire des lingots, mais maintenant apparemment il faut... A mon avis, ça doit se faire fondre, un truc comme ça, parce qu'il y a tellement de trucs qui se brûlent, donc... Ouais, burn time 3 minutes. Ça, burn time 24 secondes, ouais, voilà, ça doit se faire fondre. Bon bah c'est tout, je verrai ça pour la prochaine fois. Bon, j'espère que ça vous aura plu, malgré ma lousitude absolue. Hein, parce que là, franchement, je crains. Hein. Je crains du pâté, là. Ça pue du cul, ce que j'ai fait. Enfin, bon. Ouais, c'est ça, il faut du lingot. Est-ce que je peux pas recycler? Non, ça me fait du... Aïe, 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 aïe. Comment je peux faire des lingots? Scrap, hein... Wooden Club. Je suis en train de chercher quand même parce que. Leader, leader. Log cabin wood. Non, ça c'est deux bûches, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nightstand. Nightstand, qu'est-ce que c'est ça? Nightstand. Aucune idée. C'est pas un truc avec une torche? Un truc qui fait de la lumière, j'en sais rien. Stair plank, stair quarterfield, stick. Ouais, bah, je regarderai ça pour la prochaine fois, hein, parce que là... Quoi? Ça a bougé, non? Non, je sais pas. Ouais. Pff, aïe. Non, bah c'est tout. Là apparemment je peux rien faire. Il doit me falloir un autre truc crafté. Genre du wood fence, le wood pillar ou je sais pas quoi. Pour faire un truc qui puisse faire fondre. Je pense que c'est ça, ça se trouve j'ai une grosse connerie encore, me connaissant. Enfin bref, on va s'arrêter là, de toute façon là je suis sous l'eau. Il est 19h donc c'est pas la peine de continuer, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, malgré toute la merde que j'ai faite. N'hésite pas à laisser un commentaire pour toute suggestion, hein, qui pourrait m'aider, je crois que j'en ai besoin. Hein. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as envie de jouer avec moi. Y a pas de souci. En espérant que ça t'ait plu, je te dis bonne soirée, bonne journée. C'était Azarath pour Gaming for Fun, et je te dis à la prochaine. Ciao !